Monsieur les ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères, Monsieur les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et chers collègues, Monsieur les amis allemands, mes chers compatriotes, distingués invités, comme annoncé le 3 juin 2010, c'est l'inauguration de la nouvelle chancellerie de la RDC à Berlin. Vous savez que toutes les missions étaient à Bonn et que depuis la réunification, tout le monde a dû faire le déplacement pour s'installer à Berlin. Et voilà, aujourd'hui, la RDC est aussi à Berlin et nous comptons beaucoup sur vous pour votre appui. Et nous remercions par l'occasion toutes nos autorités, notre chef de l'État, Joseph Kabila, et le ministre des Affaires étrangères ici présent pour le soutien qu'ils nous ont accordé pour la réalisation de cette acquisition ici à Berlin. Et à tous les collègues qui nous ont soutenus de loin ou de près, encore une fois, je vous dis merci et on va tous travailler ensemble. Il était temps, c'était ridicule que nous soyons le seul pays à avoir gardé une ambassade à Bonn, alors que l'Allemagne est réunifiée depuis 20 ans, ils vont fêter bientôt 21 ans de cette réunification. C'est vrai que notre pays connaît des difficultés économiques majeures, c'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes restés à Bonn. Mais il fallait être conscient qu'on ne peut pas parler Union européenne sans l'Allemagne. La première puissance de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. On ne peut pas parler Union européenne sans penser à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne. Donc en ce qui nous concerne, il est important de savoir déterminer les priorités. Nous n'avons pas la possibilité d'installer des ambassades partout dans le monde, mais là où c'est important, comme Berlin, il faut pouvoir le faire et bien le faire. J'ai expliqué au président de la République et au gouvernement la nécessité qu'il y avait à acquérir cette propriété à Berlin et à déplacer notre ambassade. Il faut savoir que à Berlin, il n'existait plus comme administration allemande. Le ministère de la coopération qui lui est resté à Berlin, tandis que toutes les administrations allemandes sont à Berlin. Donc c'était impossible que nous restions à Bonn. Hein, nous restions à Bonn. Il fallait rejoindre Berlin. Et il faut savoir aussi que notre dernière ambassadeur ici, M. Magolia, est parti il y a 15 ans. Donc depuis 15 ans, nous n'avions qu'un chargé d'affaires qui était installé à Bonn. Et je suis heureux que le président de la République ait donné son accord pour envoyer à Bonn l'un de nos meilleurs fonctionnaires des affaires étrangères, Madame Chakarma. C'est une diplomate de qualité qui a fait Sorbonne, qui a fait sa carrière aux affaires étrangères, qui sera certainement un ambassadeur de qualité pour le rôle que nous voulons donner à Berlin.
J'ai été ambassadeur ici de 80 à 84, donc je connais cette salle. Et quand je suis entré tout à l'heure, j'ai retrouvé la salle que j'avais aménagée. Cela signifie que l'ambassadeur a fait l'effort nécessaire pour remettre cette salle dans son état. Et j'aimerais vraiment qu'elle continue à abriter des grandes manifestations, parce que moi-même, j'ai reçu beaucoup de personnalités françaises dans cette salle. En second lieu, j'aimerais aussi féliciter l'ambassadeur parce que nous sommes à la veille du cinquantenaire, des fêtes du cinquantenaire, qu'il ait réussi cet exploit juste avant les fêtes. Je suppose que pendant les fêtes, il va réunir tout le monde dans cette salle. C'est quand même un exploit. Compte tenu des difficultés, moi-même je suis une autorité budgétaire au pays, je sais les difficultés que nous avons pour le moment pour que le gouvernement puisse libérer les frais de fonctionnement. Qu'il ait fait ça en se débrouillant, c'est ça qui l'honore. Mais ce qui est important aussi, c'est ma présence ici, non seulement dans cette salle, mais dans cette ambassade. Vous savez, ça fait longtemps que je suis entré dans cette ambassade. Ma présence signifie la réussite de la politique du président de la République, Joseph Kabange, la politique de réconciliation nationale. Si je viens ici, c'est parce que le président de la République, par sa politique, a permis aux tous les fils et filles de ce pays de se retrouver. Les anciens qu'on appelle mobutistes, les gens de l'AFDEL, tout ce que vous voulez, nous nous retrouvons maintenant pour notre pays. La République démocratique du Congo, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays de MPR, ce n'est pas le pays de l'AFDEL, ce n'est pas le pays de PPRD, c'est le pays de tous les Congolais. Et nous devons mettre cela dans notre tête pour pouvoir réussir notre décollage. Des collègues que je tiens d'ailleurs à remercier pour ceux qui ont pris une participation très active pour préparer ceci qui n'est qu'un début, si j'ai bien compris, et puis de la part de l'administration également. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, ça dépend des traditions. Il y a des pays où il ne faut pas ouvrir, des pays où il faut ouvrir. C'est un ordinateur portable. Eh bien, voilà. Ça va. Et je vous annonce qu'il y a un roman sous presse. Ah, qui pourrait sortir avant fin mai.
Donc ça c'est pour les prochains ordinateurs. Et les prochains poèmes. Merci encore et puis on va se rester en contact et on va se souvenir de ces conversations. On n'a pas toujours traversé des moments rigolos. Hein. Là, la programmation nous aura beaucoup occupés. On aura beaucoup réfléchi, discuté sur l'avenir de la langue française. Mais c'était un bonheur de le faire avec toi, dans le calme et la compétence qui te caractérise une fois de plus. Merci. Eh bien, allons-y, prenons peut-être un verre. Je vais peut-être faire un... Merci, chers amis. Merci pour tout. Merci pour vraiment tout le plaisir. Pablo.
Il a fallu fermer. Mais quand on ferme et qu'en même temps on dit qu'il y a surpeuplement, mais qu'il y a des initiatives qui ont l'essence de créer des infrastructures, aussi modestes soient-elles, mais justement pour permettre de résorber ça, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement ? Voilà. Non. D'après la loi cadre, n'est-ce pas, de l'enseignement, l'État avait le monopole de la création des universités et des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'était mis à réfléchir sur la possibilité de créer des extensions universitaires. Et ce projet devait s'étaler sur 10 ans. Il fallait créer des extensions, ouvrir des facultés dans des villes, mais des facultés qui répondraient aux besoins de cet environnement. Et il devait organiser en fait ces formations juste au niveau du premier cycle. Au niveau du premier cycle, et après le premier cycle, les étudiants devraient aller terminer au niveau de leurs universités mères. Et on avait fait, il y avait une carte préconisée. On est parti de 3 pôles, l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi. L'université de Kinshasa devrait s'occuper des villes, bien sûr, de Kinshasa, d'une partie de l'Équateur, du Bas-Congo et de Bandundu. Et l'université de Kisangani devait s'occuper d'une partie de l'Équateur, de l'Est, notamment les Kivu, etc. Maniema, ou bien Maniema allait faire partie du pôle de l'université de Lubumbashi. Et Lubumbashi devrait s'occuper du Katanga, des deux Kasai et d'une partie du Kivu. Alors, et on allait ouvrir des facultés dans certaines villes, mais sous le contrôle de l'université mère, de manière à ce que les étudiants ou les professeurs qui allaient donner cours dans ces facultés devraient en fait provenir des universités mères. Et à ce moment-là, le niveau serait normalement assuré. Et au terme de ça, n'est-ce pas, on allait faire une évaluation pour voir lesquelles de ces facultés pouvaient être viables de manière à servir de point de départ d'une nouvelle université. Et on observerait ça pendant une période de 10 ans, et à l'issue de ça, effectivement, on pouvait arriver à créer des universités qui se rapprocheraient pratiquement du milieu environnant. Mais avec la libéralisation intervenue après 90, c'est à ce moment-là qu'on a commencé, on a généralisé des extensions. Tout le monde voulait avoir une université ou un institut dans son cadre. Et qu'est-ce que ça a donné? Finalement, on a tous les professeurs des universités étaient soit nommés autorités académiques dans telle ou telle autre extension, si bien que on a dépeuplé les universités et les instituts supérieurs. Et ceux qui sont partis, là aussi, en fait, ils étaient pratiquement seuls. Et ça a créé, bien sûr, un désordre, pardon, je n'aime pas utiliser le mot, mais ça a créé des perturbations qui ont fait que, à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais participé à une commission qui avait été mise en place où on a dû mettre fin à certaines de ces établissements qu'on a appelés décémages. L'idée était bien sûr de décongestionner les mais en même temps le nombre d'enseignants était très limité. À l'époque, on se disait qu'il y avait 1200 professeurs en tout, hein, pour tout le pays, morts et vivants, et d'un certain âge, et ce qui risquait de créer un problème réel, d'autant plus que on se retrouvait dans un triangle renversé. La base devenait le sommet, et le sommet
devenait la base. Et cette base, composée des enseignants d'un certain âge, surchargée, donc une manière de les conduire droit vers la tombe. Et à ce moment-là, la base finirait par se réduire et le triangle deviendrait une ligne droite, ce qui conduirait à l'effondrement de l'université. Et on risquerait, et ce n'est pas fini, il y aurait risque en fait, à un moment donné, on soit obligé d'importer des professeurs. Et je crois qu'il faudrait qu'on fasse vraiment attention, qu'on essaye de bien encadrer ceux qui existent et de manière à ce qu'ils puissent former la relève pour éviter cette catastrophe. Voilà. Et donc, créer des extensions, créer des universités privées, mais c'est bon, mais il faut essayer bien sûr de bien canaliser les choses. Sinon, on risque, et ça, ce qui a été grave, on a créé des universités privées, mais on ne reconnaissait pas leur diplôme à l'époque, mais entre-temps, les jeunes gens qui allaient, ils pouvaient peut-être avoir une bonne formation, mais on ne les reconnaissait pas. Mais ce qui risquait de paraître comme moralement inadmissible. Heureusement que maintenant, on a essayé de prendre en compte ces universités privées et on a examiné cas par cas pour voir lesquelles étaient viables et lesquelles ne l'étaient pas. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette au point un système, et je l'ai proposé quelque part. Autant au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, il y a des établissements privés, n'est-ce pas? Des établissements privés qui, en fait, certains sont subsidiés, certains ne le sont pas, mais ils finissent, au bout du compte, par avoir un diplôme, mais sanctionné par l'État. Sanctionné par l'État. Pourquoi ne pourrait-on pas se référer à ce modèle, à cet aspect-là, pour essayer de voir, au niveau des universités privées, voir comment, en fait, on peut encadrer ce système, mais mettre un système de contrôle qui puisse faire sanctionner ces diplômes par l'État et les faire reconnaître, en fonction, bien sûr, de la valeur de la formation reçue. Et je crois que ça nécessite... Bien sûr, ce n'est pas en quelque temps qu'on peut... Mais ça nécessite, bien sûr, qu'on s'y penche, qu'on y réfléchisse. Et les idées sont là. Alors l'avenir, justement, de cet enseignement en République démocratique du Congo, 50 ans après, quelques perspectives. L'avenir. J'ai contribué à un ouvrage qui a été publié sous la direction du professeur Ndayuel, intitulé « L'université dans le devenir de l'Afrique, un demi-siècle, n'est-ce pas, de présence au Congo Zaïre ». Et là-dedans, il y a effectivement des analyses intéressantes et des propositions, bien sûr, qui nous projettent en fait vers l'avenir. Pour moi, quoi qu'on dise, je demeure toujours optimiste. Parce que la marche des choses est fonction aussi de la vision positive des choses. Parce que moi, j'ai toujours cru que chacun, n'est-ce pas, a quelque chose à apporter dans ce domaine. Et même une goutte d'eau, n'est-ce pas, qu'on apporte, eh bien, plusieurs gouttes d'eau finirait par se transformer en... Voilà qui fonde mon optimisme. Est-ce que cet optimisme vous permet quand même de reconnaître que en 50 ans, notre enseignement a plutôt régressé? Sur base de... bien sûr, quand on regarde, il y a parfois des affirmations qu'on donne, n'est-ce pas? Mais sans une analyse minutieuse de la situation. Comme scientifique, je ne peux pas me permettre de donner telle ou telle affirmation sur base, bien sûr, de certains constats. Hein.
Mais on oublie parfois que dans ce genre de choses, on se base plutôt sur l'accident philosophique et non sur l'essence. Et je pense que il y a l'essence et il y a l'accident qui en fait qui est au sens philosophique du mot, qui relève de la périphérie. Et parfois, quand on tire des conclusions, on se limite justement à cet aspect périphérique et on tire des conclusions. Et moi, je pense qu'il faudrait une étude bien approfondie et qui nous permettrait de faire l'état des lieux et de tirer des conclusions qui s'imposent. Ce qui est certain... Mais 50 ans après, n'était-il pas temps de... Bien sûr, c'est le moment de faire le point. Mais ce qui est certain est que n'importe qui s'improvise pour tirer des conclusions, sans maîtriser la réalité de terrain. Il faut, bien sûr, avant de passer d'une étape à une autre, faire une évaluation et voir ce qu'il y a eu de positif et voir ce qu'il y a eu de négatif et essayer de rectifier les tirs. Je vais vous donner un exemple. Nous avons notre pays, dans le domaine universitaire, surtout en matière d'organisation universitaire, a toujours été en avance. En 70-71, on crée l'UNASA, l'Université nationale du Zaïre, avec différents campus, ainsi de suite. La machine est devenue très lourde, et en 80, on revient à l'ancien système, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a créé l'UNASA, on est passé du système de 4 ans au système de 5 ans pour avoir sa licence, ce qu'on appelle maîtrise ailleurs. Eh bien, en 80, nous changeons et on constate que ailleurs, c'est le système qu'on adopte. N'est-ce pas? Et vous avez ailleurs des universités nationales avec des... Mais nous changeons. Et pourtant, c'était un système efficace qui permettait effectivement de mener les choses d'une certaine manière. C'était une erreur. Bon. Après les cinq ans... Est-ce que c'était une erreur? Je n'aime pas utiliser... Je préfère être toujours positif. Ce n'était pas une erreur, c'était peut-être une petite déviation peut-être, mais qui pourrait normalement être rectifiée d'une certaine façon. Maintenant, on parle de Bac plus 5. Voilà. N'est-ce pas? Le nouveau système. Mais nous l'avions déjà vécu. Nous l'avions déjà vécu. Ce n'est pas une innovation pour nous. Ça a existé. Et ça continue à exister. Si bien que parfois, quand quelqu'un vient avec son diplôme de licence, il dit j'ai fait le Bac plus 5. Or, le Bac plus 5 correspond au Master 2. Au Master 1. Ici. Vous voyez, donc nous devons aussi avoir le courage, le courage d'apprécier ce qui est positif et de mettre le doigt sur la plaie quand c'est négatif. Mais tout n'est pas que négatif. Et lorsqu'on tire la conclusion, on dit le système a régressé, ainsi de suite. C'est vrai, mais sur quels critères on se base? Il faut analyser les choses sur base des critères objectifs et tirer la conclusion. On dit qu'on écrit mal maintenant. Voilà, entre autres. On parle mal le français. Voilà. Bon, on écrit mal le français et tout le reste. Ça dépend. Mais on ne voit pas d'où cela vient. Est-ce que c'est le seul critère d'appréciation de la valeur d'un universitaire formé? Mais il faut se poser cette question-là. Bien sûr, c'est la langue d'enseignement, c'est l'outil de communication qu'il faut bien maîtriser. Mais
Nous avons eu des professeurs roumains, hein, polonais, qui venaient donner le... qui connaissaient à peine le français, mais qui, en fait, transmettaient leur matière. Et les gens ne sont pas si mal formés. Dans des écoles, à l'époque, on recevait des professeurs d'origine néerlandaise. Peut-être quand ils arrivaient, ils ne connaissaient aucun mot de français. Ils apprenaient sur le tas. Et après quelque temps, c'est eux, parfois, qui commençaient à donner des cours de français. Avions-nous été si mal formés? Et le français que nous écrivons, que nous parlons, c'est dire... Et donc, je crois que, bien sûr, j'assure la promotion du français dans tout ce que je fais. Je suis professeur de français. Et on peut le constater, certes, mais ce n'est pas l'unique critère. Ce n'est pas l'unique critère. Moi, je pense que il faudrait qu'on essaie de revoir cette vision des choses, qu'on se fixe des critères, qu'on essaie d'examiner systématiquement et de faire l'état des lieux et sur base de critères sérieux et tirer des conclusions qui s'imposent. Donc voilà qui fonde mon optimisme. La femme dans l'enseignement universitaire, sa place au jour d'aujourd'hui. 50 ans après, vous vous dites que là, il y a eu progrès ou Sûrement. Quand on regarde qu'au début, il n'y avait qu'une femme universitaire et avec le nombre de femmes formées, il y a même des femmes professeurs d'université, donc il y a quand même une certaine évolution. Il y a certainement une évolution. Bien que les proportions ne soient pas totalement celle qu'on attend. Mais il y a quand même une nette évolution, ça c'est sûr. Voilà. Vous me direz que je suis optimiste, mais ce n'est pas un optimisme béat, c'est plutôt c'est un optimisme où j'essaye de positiver les choses pour mieux avancer. Parce que quand on regarde les choses de manière toujours négative, eh bien, on n'avance pas. Et nous, Congolais, n'est-ce pas, nous avons cet art d'exposer nos mauvais côtés partout. On a cet art-là. On ne voit que le côté négatif. Mais en ne voyant que le côté... On perd le temps. Essayons d'exploiter ce qu'il y a de positif, et ça nous permettrait de mieux avancer. Parce que lorsque vous ne dites que des choses négatives sur votre pays, eh bien, vous faites partie du pays. Et vous croyez faire plaisir à ceux à qui vous dites des choses négatives sur votre pays. Mais quand vous allez ailleurs, ça va se retourner contre vous. On va dire, mais chez vous, là, mais ça ne va pas. On ne va pas dire chez eux, on dira chez vous. Et donc, vous faites partie de ça. Et vous avez cet intérêt-là de sauvegarder l'image du pays. Et je tiens à cette image. Il y a un outil pour lequel vous avez travaillé beaucoup et vous continuez d'ailleurs à œuvrer, c'est la langue française, vous l'avez dit vous-même. Et au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, vous étiez chef de division justement de la langue française et des langues partenaires. Au jour d'aujourd'hui, comment se porte cette langue, non seulement en Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo? La réponse à cette question... Vous la trouvez dans des ouvrages la langue française en francophonie, et puis le français et la littérature de langue française en contexte multilingue congolais, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, comme j'ai toujours l'habitude de positiver les choses, on a toujours cru que la langue française dans le monde est en régression. En régression face, bien sûr,
à la langue anglaise. Et tous les programmes qu'on a eu à mettre en place contribuaient en fait à la relance de la présence du français, par exemple dans des organisations internationales. Et on a mis au point des programmes qui permettent bien sûr d'assurer la présence du français dans des organisations internationales. On a effectivement constaté que les gens et même certains fonctionnaires, quand ils se retrouvaient dans certains milieux, ils passaient facilement d'une langue à une autre. Notre action ne consiste pas à lutter contre la présence de l'anglais. Non. Et c'est pourquoi la stratégie de la francophonie dans ce domaine consiste à développer l'idée de la diversité linguistique, l'idée du partenariat des langues. Parce qu'on sait que le français, dans son expansion, n'est-ce pas, n'est pas tombé sur une tabula rasa linguistique. Le français a rencontré d'autres langues. Et il ne doit pas se présenter de manière conflictuelle, n'est-ce pas, vis-à-vis des autres langues. Mais le français se présente comme partenaire. Et c'est comme ça que l'on essaie effectivement, de cette manière, de voir comment assurer la présence du français dans le monde par sa promotion, hein, par sa promotion, en essayant bien sûr d'établir des rapports, des coopérations avec les autres espaces linguistiques. Et à ce moment-là, il y a moyen d'arriver à sauver la situation. On n'est plus à l'heure de la défense et illustration de la langue française à la manière de Dubélé. On est plutôt à l'ère de la promotion du français par la défense, pardon, par la promotion et la préservation de la diversité linguistique. Quel est l'état de santé du français en RDC? Parce qu'on dit d'ailleurs du congolais qu'il s'exprime admirablement bien en français. Mais est-ce que la République démocratique du Congo, vu sa place dans la francophonie, jouit-elle vraiment de l'appui de l'organisation pour laquelle vous aviez travaillé pendant 6 ans? Oui, ça c'est sûr. On a essayé effectivement de placer le Congo, la RDC, dans la position qu'elle mérite. Et d'ailleurs, le prochain sommet de la francophonie, celui de 2012, aura lieu en RDC. C'est justement un symbole fort, hein, pour montrer justement l'intérêt que la francophonie manifeste à l'endroit de la République démocratique du Congo. Et la langue française, elle est présente en RDC. Elle est présente sous sa forme standard, n'est-ce pas? Mais elle est aussi présente sous diverses formes, dans le sens que elle se diversifie. Et cette diversification constitue un élément d'enrichissement de la langue française aussi. Et vous trouvez, quand vous vous promenez à travers la cité, et vous trouvez des gens, même s'ils ne parlent pas, mais ils comprennent le français. Et je me suis rendu, bon, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais bien sûr, il y a certaines faiblesses, hein, sur le plan de la maîtrise réelle de la langue, à certains niveaux, mais quand on regarde d'une certaine, avec un regard positif, en fait, il y a moyen de comprendre et de voir que la langue française a sa place en République démocratique du Congo. Mais bien sûr, il y a un effort, il y a des efforts à fournir, il y a des stratégies à mettre en place pour assurer les bases, n'est-ce pas, de cette langue. D'autant plus que sur le plan de la Constitution,
c'est la langue française qui est l'unique langue officielle à côté des quatre langues nationales et des autres langues qui constituent le patrimoine culturel du pays. Donc, encore une fois, comme vous vous êtes exprimé dans une des colonnes d'un de magazine, l'avenir de la langue française est assuré en République démocratique du Congo. L'avenir de la langue française est assuré, bien sûr, à condition qu'on prenne des précautions nécessaires et qu'on encadre, bien sûr, le contexte. Très clairement, quelles sont ces précautions, entre autres ? Il faudrait bien assurer les structures de l'enseignement de la langue, française. Est-ce qu'on a suffisamment de livres, de bibliothèques ? Former les maîtres et arriver à avoir une bonne base, bien sûr, des structures de la langue à partir des premières années et essayer d'assurer, bien sûr, la diffusion et la création littéraire. C'est important au niveau du... Professeur, nous allons bientôt arriver au terme de ce magazine Congo Kitoko. Revenons un peu à ces livres que vous écrivez. Dites-nous, tout à l'heure vous nous parliez un peu des moments pendant lesquels vraiment vous vous adonnez à ça, les moments pendant lesquels vous arrivez à faire travailler votre inspiration. Ça va continuer comme ça ou bien à un moment donné vous allez vous dire... celui-ci, c'est le dernier, je n'écris plus. C'est difficile. Écrire, pour moi, c'est une passion. Et il y a deux catégories d'ouvrages, bien sûr. Il y a des ouvrages de réflexion scientifique, comme linguiste, n'est-ce pas ? Et des ouvrages, des productions littéraires, romans, poésie, ainsi de suite. Et ça fait... L'écriture m'habite, et l'écriture m'habitant, ça fait partie de mon autre moi. Et faisant partie de mon autre moi, je crois que je vais évoluer avec, jusqu'à mon dernier souffle. Donc vous arrêterez d'écrire le jour où vous ne saurez plus bouger vos doigts et... C'est vrai que ça part toujours de la tête jusqu'à écrire ce jour-là, peut-être. Je ne sais plus qui disait que la distance est bien longue de la tête à la main. Professeur Kilanga Moussindé, je revois encore ces images de la réception organisée en votre honneur lors des adieux. Ce personnel qui m'a donné l'impression de perdre quelqu'un, de voir quelqu'un partir un vide, en quelque sorte. Quelles vont être vos relations avec d'abord l'Organisation internationale de la francophonie et puis quelques individus de l'équipe où vous étiez pendant 6 ans pratiquement? Mais en fait, on ne part jamais de la francophonie. Et dès qu'on y a été, on y reste. On y reste, non pas de manière symbolique, mais on y reste toujours engagé. Et dans le sens que on a entretenu des liens forts, des liens très forts. Et ce qui a été intéressant pour moi, c'est que ce que j'ai fait comme travail à la francophonie constitue le prolongement, en fait, ou la mise en application des réflexions théoriques que j'ai eu à faire au niveau de mes recherches à l'université. Et donc, ça constitue un tout pour moi. Et quand on y entre, on n'en sort pas. Je continue à rester en contact avec la langue. Je ne suis pas parti. Je suis encore là. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne les choses. Ma dernière question sera la première question du professeur Manda Kizabi au moment où il préfaçait votre ouvrage qui s'intitule « La main de la tradition ». Sa question en vous préfaçant, c'était « Quel modèle offrir à la jeunesse ?» À cette dernière question, qui était la première question du professeur Kizabi, qu'est-ce que vous répondez ? En fait, c'est pas la question de... Ça, c'était des passages tirés, n'est-ce pas, de
C'est la réflexion de Moudimbe. Ah, d'accord. Tirée de son ouvrage Les corps glorieux, des mots et des êtres. Ah, d'accord. Que j'ai dû mettre en exergue dans l'ouvrage. Et la question, bon, il dit, quel modèle offrir à la jeunesse? Alors, je voudrais partir de cette question, je la trouve très intéressante. Qu'est-ce que vous avez Je reprends sa réponse. Voilà, parce que sa réponse est là. À mon sens, la génération montante ne pourra survivre dans la dignité et redresser nos pays africains qu'en prenant une seule attitude. Incarner est systématiquement le contraire de ce qui se donne en exemple aujourd'hui. C'est-à-dire concrètement, valoriser de manière absolue la primauté de l'individu, de sa conscience et de sa liberté. Ensuite, prendre le parti d'une critique radicale des valeurs, que celles-ci se réclament de la tradition ou non. Enfin, maîtriser l'incohérence régnante et le culte du verbe trompeusement euphémiste, en redonnant aux choses, aux comportements et aux mots leur nom et leur sens ordinaire. Je crois que ça dit tout. Ça dit pratiquement tout. Et je ne voudrais pas terminer sans vous lire ce discours prophétique, en fait, du recteur Donte. Il était recteur de l'Université officielle du Congo. Et il a prononcé ce discours le 20 novembre 1966. Et c'était à l'occasion du 10e anniversaire de cette université. L'ex-UOC. Oui. Et là, il s'adressait au public étudiant réuni pour la circonstance. En 66. Et en fait, la plupart des gens auxquels il s'est adressé ont occupé des postes de responsabilité. Et ils ont la responsabilité de la gestion du pays depuis lors. En 66, voici ce qu'il dit. Et c'est à l'occasion de son départ aussi. Il dit, quittant aujourd'hui l'université, que j'ose appeler mon université, parce qu'elle m'est chère, je voudrais vous dire encore ceci. Vous portez le flambeau qui doit éclairer l'avenir. Vous êtes les ancêtres du Congo que connaîtront vos enfants. C'est vers vous qu'on se retournera pour vous imputer l'échec ou vous exprimer la gratitude. Lutter pour les causes justes, il le faut. C'est le dur privilège de la jeunesse. Mais aussi, étudiez courageusement, augmentez vos connaissances et votre pouvoir de comprendre. Mais non seulement de votre dévouement et de votre idéalisme, mais aussi de votre conscience et de votre force de pensée, le Congo a le besoin le plus urgent. Ce nouveau monde auquel vous appartenez se fait lentement, péniblement, mais il se fera par vous si vous faites votre devoir. Vous êtes le premier maillon d'une chaîne de générations. Vous ferez de cette chaîne solide comme l'acier. Et ça interpelle à l'occasion du cinquantenaire, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons rempli cette mission qu'on nous a confiée 50 ans après? Est-ce que ces mots prononcés continuent à résonner dans nos têtes? Est-ce que ces mots, au regard de l'état actuel de notre pays, de l'évolution de notre pays, est-ce que nous avons tiré des leçons de ce message du recteur Donte? Alors, à l'occasion du cinquantenaire, nous devons réfléchir sur ça et tirer des leçons et peut-être partir sur de nouvelles bases et prendre l'élan nécessaire. Voilà ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission Congo Kitoko. Merci de l'attention que vous lui avez accordée. Nous nous retrouverons dans 15 jours. D'ici là, nous vous laissons bien sûr
en compagnie de programmes de digital à votre service. À très bientôt. Cette émission a été réalisée par Christian Mbamou.